Bonjour, je m'appelle Claudia, étudiante en quatrième année en génie informatique et je suis responsable du Open Challenge. Le Open Challenge est le volet de la compétition auquel on participe qui consiste à créer un prototype dont on détermine nous-mêmes le sujet. Étant donné que le défi fixe s'occupe davantage de l'acquisition des données, nous, on met plutôt l'accent sur l'aspect applicatif, donc quel type d'application on peut faire avec les données EEG. Ce projet nous permet de tester le potentiel de nos idées, de leur faisabilité, ainsi que de raffiner notre compréhension du problème que l'on s'est posé. Ça permet de montrer aux autres la concrétisation d'une idée ou d'une façon d'adresser un problème. Comme le projet change d'année en année, les compétences requises changent également. Donc généralement, on va chercher des gens qui ont des connaissances en développement d'applications logicielles, en traitement de signal ou en apprentissage machine. Par contre, on veut surtout en fait des gens qui sont créatifs, responsables, puis qui ont en fait un désir d'apprendre et de travailler de manière autonome. C'est extrêmement formateur de mener un projet du début à la fin, qui en plus se doit d'être différent d'année en année. C'est un peu comme mener une expérience entrepreneuriale de petite échelle, où est-ce que on commence au début avec une idée qui n'est pas très claire, mais qui au fur et à mesure des essais se concrétise jusqu'à un projet final.